C'est un nouveau signe de la colère de la France en pleine crise des sous-marins. La ministre des Armées, Florence Parly, a annulé une rencontre avec son homologue britannique. À Londres, on vous retrouve en direct, Mathieu Boisseau. Face à ça, Londres tente de son côté d'apaiser les tensions. Bonjour. Oui, cette décision aurait été prise dès vendredi. Florence Parly devait venir cette semaine ici à Londres pour signer des contrats dans le domaine de la défense. Elle ne fera pas le déplacement. C'était pourtant un rendez-vous important. Côté britannique, même si la France manifeste son mécontentement, cette alliance, elle est considérée comme un triomphe économique et surtout diplomatique. Elle permet de s'afficher comme un partenaire privilégié des États-Unis. C'était l'objectif et c'est aussi la stratégie du Royaume-Uni post Brexit, le concept du Global Britain, un pays davantage tourné vers l'Asie et l'Amérique que vers l'Europe. Alors ce matin, Boris Johnson a tenté de calmer le jeu avec la France. Il a expliqué que la relation était vitale. Il avait également indiqué il y a quelques jours que le partenariat restait solide comme de la pierre. Mais il ne peut plus masquer qu'il y a de profondes fissures dans cette alliance des deux côtés de la Manche. Merci beaucoup, Mathieu.